toujours rien. Rien le matin, rien le soir. Rien depuis 3 jours. Les courriers partent, les courriers reviennent, ils secouent la tête et disent rien. Toute la campagne est battue. Il n'y a rien à faire. Mais pourquoi s'inquiéter à l'avance? Attendons. Il reviendra peut-être comme il est parti. Je l'ai vu sortir du palais, il avait un regard étrange. Mais j'étais là aussi. Et je lui ai demandé ce qu'il avait. As-tu répondu? Un seul mot. Rien. C'est inquiétant. Allons, tous les jeunes gens sont ainsi. Bien entendu, là, tu passes tout. Vous croyez? Souhaitons qu'il oublie. Bien sûr, une de perdue, 10 de retrouvée. Et où prenez-vous qu'il s'agisse d'amour? Et de quoi d'autre? Bien le foie, peut-être. Ou le simple dégoût de vous voir tous les jours. Vous savez, on supporterait tellement mieux nos contemporains s'ils pouvaient de temps à autre changer de museau. Mais non, le menu ne change pas, toujours la même fricassée. Je préfère penser qu'il s'agit d'amour. C'est plus attendrissant. Ah, rassurant surtout, hein. Tellement plus rassurant. C'est le genre de maladie qui n'épargne ni les intelligents, ni les imbéciles. De toute façon, heureusement, les chagrins ne sont pas éternels. Êtes-vous capable de souffrir plus d'un an? Moi non. Vous voyez bien. La vie serait impossible. Tenez, j'ai perdu ma femme l'an passé. J'ai beaucoup pleuré et puis j'ai oublié. De temps en temps, j'ai de la peine, mais en somme, ce n'est rien. La nature fait bien les choses. Pourtant, quand je vous regarde, j'ai comme l'impression qu'il lui arrive de manquer son coup. Hein. Eh bien? Toujours rien. Allons, messieurs, du calme. L'Empire romain, c'est nous. Si nous perdons la figure, l'Empire perd la tête. Mais ce n'est pas le moment. Non. Pour commencer, allons déjeuner, l'Empire se portera mieux. C'est juste, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. N'empêche, je n'aime pas cela. Mais cet empereur était trop parfait. Oui, il était comme il faut, scrupuleux et sans expérience. Mais enfin, qu'avez-vous et pourquoi ces lamentations? Rien ne l'empêche de continuer. Il est maître ici, là, c'est entendu. Mais c'était sa sœur, en somme. Coucher avec elle, c'était déjà beaucoup, mais bouleverser Rome parce qu'elle est morte, cela dépasse les bornes. Il n'empêche, je n'aime pas cela. Cette fuite ne me dit rien. Oui, il n'y a pas de plumée sans feu. En tout cas, la raison d'État ne peut admettre un inceste qui prend l'allure des tragédies. L'inceste, soit, mais discret. Oui, enfin, si vous voulez mon avis, l'inceste, ça fait toujours un peu de bruit, hein. Il craque, si vous aussi. Il me dit d'ailleurs qu'il s'agisse de Drusilla. Et de quoi donc, alors? Devinez. Notez bien. Le malheur, c'est comme le mariage. On croit qu'on choisit et on est choisi. C'est comme ça, on n'y peut rien. Notre Caligula est malheureux, il ne sait peut-être même pas pourquoi. Il s'est senti coincé, alors il a fui. Nous en aurions tous fait autant. Et moi qui vous parle, si j'avais pu choisir mon père, je ne serais pas né. Alors? Encore rien. Des paysans ont cru le voir dans la nuit d'hier, près d'ici, courant à travers l'orage. Cela fait bien 3 jours, Scipion. Oui. J'étais présent, le suivant, comme de coutume. Il s'est approché du corps de Drusilla, l'a touché avec 2 doigts, puis a semblé réfléchir et s'est retourné, et est sorti d'un pas égal. Depuis, on court après lui. Ce garçon aimait trop la littérature. C'est de son âge. Mais ce n'est pas de son rang. Un empereur artiste, ce n'est pas convenable. Nous en avons eu 1 ou 2, bien sûr. Il y a des brebis galeuses partout. Mais la plupart ont eu le bon goût de rester des fonctionnaires. C'était plus reposant. À chacun son métier. Et que peut-on faire, chérie là? Rien. Attendons. S'il ne revient pas, il faudra le remplacer. Entre nous, les empereurs ne manquent pas. Oh non, nous manquons seulement de caractère. Et s'il revient mal disposé? Ma foi, c'est encore un enfant. Nous lui ferons entendre raison. Et s'il est sourd au raisonnement? Eh bien, n'ai-je pas écrit dans le temps un traité du coup d'État? Certes, certes. Mais je préférais qu'on me laisse à mes livres. Je vous demande pardon. Il est offusqué. C'est un enfant. Les jeunes gens sont solidaires. Solidaires ou non, ils vieilliront de toute façon. Thank you.
Bonjour, Calus. Bonjour, Nico. Tu sembles fatigué. Oui, j'ai beaucoup marché. Mon absence a duré longtemps. C'était difficile à trouver. Quoi donc? Ce que je voulais. Que voulais-tu? La lune. Quoi? Oui. Je voulais la lune. Pourquoi faire? C'est une des choses que je n'ai pas. D'accord. Maintenant tout est arrangé. Non. Je n'ai pas pu la voir. C'est ennuyeux. Oui. Oui, c'est pour cela que je suis fatigué. Oui, Calus. Tu penses que je suis fou? Je sais bien que je ne pense jamais. Je suis trop intelligent pour ça. Oui, enfin. Je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis tout d'un coup senti un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne semblent pas satisfaisantes. C'est une opinion assez répandue. Il est vrai. Mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. Ce monde, tel qu'il est fait, n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité. De quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient. En général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Oh. Je sais aussi ce que tu penses. Plus d'histoire pour la mort d'une femme, c'est ça? Non. Non, ce n'est pas ça. Je crois me souvenir, il est vrai qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire. Un peu bête. Lourde à porter et difficile à trouver. Est-ce donc que cette vérité, Calus? Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Allons, Calus. C'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce n'est pas ça qui les empêche de déjeuner. Alors c'est que tout autour de moi n'est que mensonge. Et moi, je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Lincoln. Ils sont privés de la connaissance. Et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. Ne t'offense pas, Calus, de ce que je vais te dire. Mais tu devrais d'abord te reposer. Cela n'est pas possible. Cela ne sera plus jamais possible. Pourquoi donc? Si je dors, qui me donnera la lune? Cela est vrai. Écoute, Ilpon. J'entendais pas et des bruits de voix. Garde le silence et oublie que tu viens de me voir. J'ai compris. S'il te plaît, aide-moi désormais. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Calus. Je sais beaucoup de choses et peu de choses m'intéressent. Dis-moi simplement à quoi puis-je t'aider. À l'impossible. Je ferai pour le mieux. Il n'y a personne. Ne l'as-tu pas vu, Hélicon? Non. Hélicon ne t'a-t-il vraiment rien dit avant de s'échapper? Je ne suis pas son confident, je suis son spectateur, c'est plus sage. Je t'en prie. Cher Césonia, Caius est un idéaliste. Tout le monde le sait. Autant dire que lui ne l'a pas encore compris, moi oui. C'est pourquoi je ne m'occupe de rien. Car si Caius se mettait à comprendre, il serait capable, au contraire, avec son bon petit cœur, de s'occuper de tout. Et Dieu sait ce que ça nous coûtera. Mais vous permettez, le déjeuner. Regarde, de la vue passer, mais Rome tout entière voit Caligula partout. Et Caligula, en effet, ne voit que son idée. Mais quelle idée? Comment le saurais-je, Scipion? Drusilla? Qui peut le dire? Mais il est vrai qu'il l'aimait. Il est vrai que cela est dur de voir mourir ce que hier encore, on serrait dans ses bras. Et toi? Oh, moi, je suis la vieille maîtresse. Césonia, il faut le sauver. Tu l'aimes donc? Je l'aime. Il était bon pour moi. Il m'encourageait, je connais encore par cœur certaines de ses paroles. Il me disait que la vie n'est pas facile, mais qu'il y a la religion, l'art, l'amour qu'on nous porte. Il répétait souvent que faire souffrir était la seule façon de se tromper.
Il voulait être un homme juste. Mais c'était un enfant. Je n'ai jamais eu d'autre Dieu que mon corps. Et c'est ce Dieu-là que je voudrais prier aujourd'hui pour que Caïus me soit rendu. Nous te cherchions, César. Je vois. Qu'est-ce que vous voulez? Nous étions inquiets. De quel droit? De toute façon, tu sais que tu as réglé quelques questions concernant le trésor public. Le trésor? Voyons, le trésor, c'est capital. Certes, César. N'est-ce pas, ma chère? C'est très important, le trésor. Oh non, Caligula, c'est une question secondaire. Oh, mais c'est que tu n'y connais rien. Le trésor est d'un intérêt puissant. Tout est important, te dis-je. La moralité publique, les finances, la politique extérieure, l'approvisionnement de l'armée, les lois agraires, tout est capital, te dis-je. Tout est sur le même pied. La grandeur de Rome était crise d'arthritisme. Je vais m'occuper un peu de tout cela. Écoute-moi, intendant. Nous t'écoutons. Tu m'es fidèle, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai un plan à te soumettre. Nous allons bouleverser l'économie politique en deux temps. Je te l'expliquerai, intendant, quand les patriciens seront sortis. Écoute-moi bien. Premier temps. Tous les patriciens, toutes les familles de Rome qui ont quelques fortunes, petites ou grandes, c'est exactement la même chose, doivent obligatoirement déshériter leurs enfants et tester sur l'heure en faveur de l'État. Mais César, je ne t'ai pas encore donné la parole. À raison de nos besoins, nous ferons mourir ces personnages dans l'ordre d'une liste établie arbitrairement. À l'occasion, nous pourrons modifier cet ordre, toujours arbitrairement, et nous hériterons. Mais qu'est-ce qui te prend ? L'ordre des exécutions n'a en effet aucune importance. Ou plutôt, ces exécutions ont une importance égale, ceux qui entraînent qu'elles n'en ont pas. D'ailleurs, ils sont aussi coupables les uns que les autres. Notez d'ailleurs qu'il n'est pas plus immoral de taxer directement les citoyens, de voler directement les citoyens, que de glisser des taxes indirectes dans le prix des denrées dont ils ne peuvent se passer. Gouverner, c'est voler, tout le monde sait ça. Mais il y a la manière. Pour moi, je volerai franchement. Ça vous changera des gains petits. Tu exécuteras ces ordres sans délai. Les testaments seront signés dans la soirée par tous les habitants de Rome, dans un mois ou plus tard par tous les provinciaux. J'envoie des courriers. C'est ça, tu ne te rends pas compte. Écoute-moi bien, imbécile. Si le trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas, cela est clair. Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien, puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Au demeurant, moi j'ai décidé d'être logique. Et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter. J'exterminerai les contradictions et les contradicteurs. S'il le faut, je commencerai par toi. César, ma bonne volonté n'est pas en question, je te le jure. Ah, mais ni la mienne, tu peux m'en croire. La preuve, c'est que je consens à épouser ton point de vue et à considérer le trésor comme un objet de méditation. En somme, remercie-moi puisque je rentre dans ton jeu et que je joue avec tes cartes. D'ailleurs, mon plan, par sa simplicité, est génial, ce qui clôt le débat. Tu as 3 secondes pour disparaître. Je compte 1. Je te reconnais mal, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Pas du tout, Césonia, c'est de la pédagogie. Ce n'est pas possible, Caïus. Justement. Je ne te comprends pas. Justement, il s'agit de ce qui n'est pas possible. Plutôt, il s'agit de rendre possible ce qui ne l'est pas. C'est un jeu qui n'a pas de limite. C'est la récréation d'un fou. C'est la vertu d'un empereur, Scipio. Je viens de comprendre enfin l'importance du pouvoir. Il donne ses chances à l'impossible. Aujourd'hui et pour tout le temps qui va venir, la liberté n'a plus de frontières. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, Caïus. Ah, je ne le sais pas non plus, mais je suppose qu'il faut en vivre. Caïus, j'ai appris ton retour. Je fais des vœux pour ta santé. La santé te remercie. Va-t'en, chéréa, je ne veux pas te voir. Je suis surpris, Caïus. Ah, mais ne sois pas surpris. Je n'aime pas les littérateurs. On ne peut supporter leurs mensonges. Ils parlent pour ne pas s'écouter. S'ils s'écoutaient, ils ne sauraient rien. Ils sauraient qu'ils ne sont rien et ne pourraient plus parler. Allez, rompez, j'ai horreur des faux témoins. Si nous mentons, c'est souvent sans le savoir. Je plaide non coupable. Le mensonge n'est jamais innocent. Le vôtre donne de l'importance aux êtres et aux choses. Voilà ce que je ne puis vous pardonner. Pourtant, il faut bien plaider pour ce monde si nous voulons y vivre. Mais ne plaide pas, la cause est entendue. Ce monde n'est rien et qui le reconnaît conquiert sa liberté.
Et justement, je vous hais parce que vous n'êtes pas libre. Dans tout l'Empire romain, me voici seul libre. Et réjouissez-vous, il vous est enfin venu un empereur pour vous enseigner la liberté. Va-t'en, chéréa, et toi aussi, Scipion, l'amitié me fait rire. Allez annoncer à Rome que sa liberté lui est enfin rendue et qu'avec elle commence une grande épreuve. Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi et que beaucoup d'autres. Cela ne justifie pas que sa mort te chasse 3 jours et 3 nuits dans la campagne et te ramène avec ce visage ennemi. Mais qui te parle de Drusilla, folle? Comment ne peut-il pleurer pour autre chose que l'amour? Pardon, Caius, mais je cherche à comprendre. Les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse ces années et reste près de moi. Je ferai ce que tu me diras. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne. Mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter? Tu ne peux pas comprendre. Césonia, je sortirai peut-être de là. Je sens monter en moi des êtres sans nom. Que ferais-je contre eux? Césonia, je savais qu'on pouvait être désespéré. Mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais, comme tout le monde, que c'était une maladie de l'âme. Mais non, c'est le corps qui souffre. Ma peau me fait mal, ma poitrine, mes membres. J'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni fièvre. Mais tout cela à la fois. Il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres me répugnent. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme. Il faut dormir, dormir longtemps, se laisser aller, ne plus réfléchir. Je veillerai sur ton sommeil. À ton réveil, le monde pour toi recouvrera son goût. Fais alors servir ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa chance. Il faut du sommeil. Il faut de l'abandon. Cela n'est pas possible. C'est ce qu'on croit au bout de la fatigue, mais un temps vient où on retrouve une main ferme. Mais que me fait une main ferme? De quoi me sert ce pouvoir si étonnant si je ne puis changer l'ordre des choses? Si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est? Que la souffrance décroisse et que les hommes ne meurent plus. Non, Césonia, il est indifférent de dormir ou de rester veillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. Mais c'est vouloir s'égaler au Dieu. Je ne connais pas de pire folie. Mais qu'est-ce qu'un Dieu pour que je veuille m'égaler à lui? Ce que je désire aujourd'hui de toutes mes forces est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Mais tu ne pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Je veux confondre le ciel et la mer, faire jaillir le rire de la souffrance. Oh, mais il y a ce qui est grand et ce qui est bas, le bon et le mauvais, le juste et l'injuste. Je te jure que tout cela ne changera pas. Ma volonté est de le changer. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être, moi aussi je serai transformé, et le monde avec moi. Alors peut-être, les hommes ne mourront pas, et ils seront heureux. Mais tu ne vois pas nier l'amour? Non.
secours, Sazonia. J'ai appris que ce n'était rien. C'est l'autre qui a raison, tu l'as entendu? Le trésor public. Tu l'as bien entendu, n'est-ce pas? Oui. Tout commence avec cela. C'est maintenant que je vais vivre. Vivre enfin. C'est le contraire d'aimer. C'est moi qui te le dis, Sazonia. Et c'est moi qui t'invite à une fête sans mesure, à un procès général, au plus beau des spectacles. Il me faut du monde, des juges, des spectateurs et des coupables. Faites entrer les coupables! Il me faut des coupables, ils le sont tous! Je veux qu'on fasse entrer les condamnés à mort! Des juges, des témoins, des accusés, tous condamnés à mort! Du public, je veux avoir mon public. Ces Sazonia, je leur montrerai ce qu'ils n'ont jamais vu! Le seul homme libre de tout l'Empire! Et toi, ces Sazonia? Toujours. Tu m'obéiras. Jure de m'aider, Sazonia. Je n'ai pas besoin de jurer puisque je t'aime. Tu feras tout ce que je te dirai. Oui, Caligula la mérite. Tu seras cruel. Cruel. Froide et implacable. Implacable. Tu souffriras aussi. Oui, oui, Caligula, mais je deviens folle. Venez tous, approchez. C'est un empereur qui exige que vous approchiez. Venez, venez. Et maintenant, Sazonia, viens. Regarde. Rien. Plus rien, tu vois. Plus de souvenirs. Tous les visages enfuis. Rien. Plus rien. Et sais-tu ce qu'il reste, Sazonia? Approche. Regarde. Approche. Regarde. Caligula. Caligula! Depuis 3 ans. Il m'appelle petite femme, il me ridiculise à mort. Depuis 3 ans. Il nous oblige à courir autour de sa litière tous les soirs quand il va se promener dans la campagne. Il nous dit que la course est bonne pour la santé. Depuis 3 ans. Il n'y a pas d'excuse à cela. Non, on ne peut pardonner cela. Il a confisqué tes biens. Il a tué ton père. Il a enlevé ta femme et l'a fait travailler maintenant dans sa maison publique. Il a tué ton fils. Allez-vous supporter cela? Pour moi, mon choix est fait. Entre le risque à courir et cette vie insupportable dans la peur et l'impuissance, je ne peux hésiter. En tuant mon père, il a choisi pour moi. Hésiterez-vous encore? Nous sommes avec toi. Il a donné nos places de circo. Il nous a poussé à nous battre avec la plèbe pour mieux nous punir ensuite. Tu es un lâche, un cynique, un comédien. C'est un impuissant. Depuis 3 ans. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Venez. Oh! Et où courez-vous donc ainsi? Nous partons, cher Vert. Je vois bien, mais pourquoi une telle précipitation? Nous ne pouvons accepter la situation plus longtemps. Voilà bien vigoureux tout d'un coup. Ce n'est pas aussi facile que vous croyez. La peur que vous éprouvez ne peut pas vous tenir lieu de courage et de sang-froid. Tout cela est prématuré. Si tu n'es pas avec nous, va-t'en. Mais tiens ta langue. Je crois pourtant que je suis avec vous. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est le bavardage. Oui, assez de bavardage. Je veux que les choses soient claires. Vous n'avez pas reconnu votre véritable ennemi. Vous lui prêtez de petits motifs alors qu'il n'en a que de grands. Mais vous courez à votre perte. Reconnaissez-le tel qu'il est. Vous pourrez ensuite mieux le combattre. Nous le voyons comme il est. Le plus insensé des tyrans. Ça, ce n'est pas sûr. Des empereurs fous, nous en avons déjà eu. Mais celui-ci n'est pas assez fou. Et ce que je déteste en lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Il veut notre mort à tous. Mais non, car cela est secondaire. Non, il met son pouvoir au service d'une passion plus haute et plus mortelle. Il nous menace dans ce que nous avons de plus profond. Sans doute, ce n'est pas la première fois chez nous qu'un homme dispose d'un pouvoir sans limite. Mais c'est la première fois qu'il en use sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Voilà ce que je déteste en lui et que je veux combattre. Perdre la vie est peu de chose. J'aurai ce courage quand il le faudra. Mais voir se dissiper le sens de cette vie, notre raison d'exister, voilà qui est insupportable. On peut vivre sans raison. La vengeance est une raison. Oui,
et je vais la partager avec vous. Mais comprenez que ce n'est pas pour prendre le parti de vos petites humiliations. C'est pour lutter contre une grande idée, dont la victoire signifierait la fin du monde. Je peux admettre que vous soyez tourné en dérision. Je ne peux pas accepter que Caligula fasse ce qu'il rêve de faire, et tout ce qu'il rêve de faire. Il transforme sa philosophie en cadavre. Et pour notre malheur, c'est une philosophie sans objection. Il faut bien frapper quand on ne peut réfuter. Alors il faut agir. Oui, il faut agir. Mais vous ne détruirez pas cette tyrannie injuste en l'affrontant de face alors qu'elle est pleine de vigueur. Il faut ruser avec la méchanceté désintéressée. Il faut la pousser dans son sens. Attendre que cette folie soit devenue démence. Mais encore une fois, je n'ai parlé ici que par honnêteté. Désireux simplement retrouver la paix dans un monde à nouveau cohérent. Ce n'est pas l'ambition qui me fait agir, mais la peur. La peur de ce lyrisme inhumain auprès du quoi ma vie n'est rien. Je crois que j'ai compris. Du moins à peu près. Mais l'essentiel est que tu juges comme nous que les bases de notre société sont ébranlées. Pour nous, n'est-ce pas? Vous autres, la question est avant tout morale. La famille tremble. Le respect du travail se perd. La patrie tout entière est livrée au blasphème. La vertu nous appelle à son secours. Allons-nous refuser de l'entendre? Conjurez! Accepterez-vous enfin que les patriciens soient contraints chaque soir de courir autour de la litière de César? Permettrez-vous qu'on les appelle ma chérie? Qu'on leur enlève leurs femmes? Et leurs enfants? Et leur argent? Ah non! Chéréa, tu as bien parlé. Tu as bien fait aussi de nous calmer. Le peuple aujourd'hui encore serait contre nous. Il est trop tôt pour agir. Veux-tu guetter avec nous le moment de conclure? Oui. Au contraire, laissons continuer Caligula. Organisons sa folie. Un jour viendra où il sera, dans un empire plein de morts et de parents morts. Vous vous battiez? Nous nous battions. Et pourquoi vous battiez-vous? Pour rien. Alors ça n'est pas vrai. Alors nous ne nous battions pas. Peut-être voudrait-il mieux remettre la pièce en ordre. Caligula a horreur du désordre. Vous allez finir par le faire sortir de son caractère, cet homme. Mais enfin, que lui avons-nous fait? Rien, justement. C'est inouï d'être insignifiant à ce point. Mettez-vous un peu à la place de Caligula. Naturellement. Vous complotiez bien un peu, n'est-ce mais pas? Mais c'est faux, voyons. Que croit-il donc? Il ne croit pas, il sait. Mais je suppose qu'au fond, il le désire un peu. Allons, aidons à réparer le désordre. Bonjour, ma jolie. Ah, monsieur, je me suis permis d'inviter ta femme. Dînons ensemble, voulez-vous? Un instant. Vous savez sans doute que les finances de l'État ne tenaient debout que parce qu'elles en avaient pris l'habitude. Depuis hier, l'habitude même n'y suffit plus. Je suis donc dans la désolante nécessité de procéder à des compressions de personnel. Dans un esprit de sacrifice que vous apprécierez, j'en suis sûr, j'ai décidé de restreindre mon train de maison, de libérer quelques esclaves et de vous affecter à mon service. Non. Vous voudrez bien préparer la table et la servir. Allons, messieurs, un peu de bonne volonté. Vous verrez d'ailleurs qu'il est plus facile de descendre l'échelle sociale que de la remonter. Quel est le châtiment réservé à ce paresseux? Le fouet, je crois. Allons, allons. Un peu d'application. Allez. De la méthode, surtout. De la méthode. Ah. Ils ont perdu la main, me semble. À vrai dire, ils ne l'ont jamais eu, hein, si ce n'est pour frapper ou commander. Il faudra patienter, voilà tout.
Il faut un jour pour faire un sénateur et 10 ans pour faire un esclave. Ouais. Mais j'ai bien peur qu'il en faille 20 pour faire un travailleur d'un sénateur. Ouais. Tout de même, ils y arrivent. À mon avis, ils ont la vocation. La servitude leur conviendra. Regarde, ils commencent même à transpirer. C'est une étape. Bon, n'en demandons pas trop. Ce n'est déjà pas si mal. Et puis, un instant de justice, c'est toujours bon à prendre. À propos de justice, une exécution m'attend. Il faut nous dépêcher. Tout de même, ce Rufus a de la chance que je sois si prompt à voir fin. Rufus, c'est le chevalier qui doit mourir. Vous ne me demandez pas pourquoi il doit mourir. Oh. Il sait que vous devenez intelligent. Vous avez fini par comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait quelque chose pour mourir. Un soldat, je suis content de vous. Hein, n'est-ce pas, il est con. Sûr, sûr. Quelle armée ! Mais si tu veux mon avis, ils sont maintenant trop intelligents et ils ne voudront plus se battre. S'ils progressent encore, l'Empire s'écroule. Eh bien, parfait, parfait. Nous nous reposerons. Mais allons, plaçons-nous au hasard. Pas de protocole. Tu as l'air de mauvaise humeur. Serait-ce parce que j'ai tué ton fils? Non, au contraire. Au contraire? Oh, que j'aime que le visage démente les soucis du cœur. Ton visage a l'air triste et ton cœur au contraire, n'est-ce pas, Lépidus? Contraire, César. Oh, Lépidus, cher Lépidus, personne ne m'est plus cher que toi. Rions ensemble, veux-tu, et dis-moi quelques bonnes histoires. Caius. Bon, je raconterai alors. Mais tu riras, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour ton second fils. D'ailleurs, je n'ai pas de mauvaise humeur. Oh, oh. Allons. Frère Caius. Ah, à la bonne heure. Je raconte. Il était une fois un pauvre empereur que personne n'aimait. Lui qui aimait Lépidus, qui tuait son plus jeune fils pour sauter cet amour du cœur. Drôle, n'est-ce pas? Naturellement, ce n'est pas vrai. Tu ne ris pas. Personne ne rit. Alors écoute-moi. Toi, Lépidus, et tous les autres, je veux vous voir rire, vous m'entendez? Levez-vous, riez! Rien ne veut plus rien dire. Honnêteté, respectabilité, qu'en dira-t-on? Sagesse des nations. Tout disparaît devant la peur. Hein? La peur, Sazania, ce beau sentiment, sans alliage, pur et désintéressé. Un des seuls qui tire sa noblesse du ventre. Mais parlons d'autre chose. Tu es bien silencieux, cher. Oh, je suis prêt à parler, Caius, dès que tu me le permettras. Parfait. Alors, tais-toi. Notre ami Mucius. À tes ordres, Caius. Eh bien, parle-nous de ta femme, et commence par l'envoyer à mes côtés. Bonjour, Eh bien, nous t'attendons. Ma femme, mais je l'aime. Oh, oui, bien sûr, mon ami, mais comme c'est commun. Oh, à propos, quand vous êtes entré, vous complotiez, n'est-ce pas? Comment peux-tu imaginer? Caius, comment peux-tu imaginer que... Aucune importance, ma jolie. Il faut bien que vieillesse se passe. Hein? Aucune importance, vraiment. Vous êtes incapable d'un acte courageux. D'ailleurs, il me vient à l'esprit que j'ai quelques questions d'État à régler. Mais auparavant, sachons faire leur part au désir impétueux que nous crée la nature. Suisse, je prendrai bien de cet excellent vin.
bien, chéréa. Si tu nous disais maintenant pourquoi vous vous battiez tout à l'heure. Oh. Tout est venu, chère Saisonia, de ce que nous discutions de savoir si la poésie doit être meurtrière ou non. C'est fort intéressant, mais cela dépasse mon entendement de femme. Toutefois, j'admire que votre passion pour l'art vous conduise à vous échanger des coups. Caligula lui-même ne dit-il pas qu'il n'y a pas de passion plus profonde sans quelque cruauté? Ni d'amour sans un brin de viol. Il y a du vrai dans cette vie, vous autres. Caligula est un vigoureux psychologue. Il nous a parlé avec éloquence du courage. Il devrait résumer toutes ses idées. Cela serait inestimable. Sans compter que cela l'occuperait, car il est visible qu'il a besoin de distraction. Vous serez ravi d'apprendre qu'il y a songé et qu'il rédige en ce moment un grand traité. Monsieur, je t'en... ta femme. Elle te rejoindra. Pardonnez-moi, mais quelques instructions à donner. Ce grand traité égalera les plus célèbres, nous n'en doutons pas. De quoi parle-t-il, Saisonia? Oh, cela me dépasse. Il faut donc comprendre que cela parle du pouvoir meurtrier de la poésie. Tout juste, je crois. Eh bien, cela l'occupera, comme disait Chérien. Oui, ma jolie, bien sûr. Mais ce qui vous gênera sans doute, c'est le titre de cet ouvrage. Ah, quel est-il? Le glaive. Pardonnez-moi, mais les affaires de l'État, elles aussi, sont pressantes. Attendant, tu feras fermer les greniers publics. Je viens de signer le décret, tu le trouveras dans la chambre. Mais... Demain, il y aura famine. Mais le peuple va gronder. J'ai dit qu'il y aurait famine demain. Tout le monde connaît la famine, c'est un fléau. Eh bien, demain, il y aura fléau. Et j'arrêterai le fléau quand il me plaira. Et après tout, je n'ai pas tellement de façon de montrer que je suis libre. On est toujours libre aux dépens de quelqu'un. C'est ennuyeux, mais c'est normal. Appliquez cette pensée à la jalousie. Et vous verrez, tout de même, comme c'est laid d'être jaloux, souffrir par vanité et par imagination. Voir sa femme. Bon, mangeons. À propos, savez-vous que nous travaillons ferme avec Hélicon? Nous mettons au point un petit traité de l'exécution. Donc vous nous donnerez des nouvelles. À supposer qu'on vous demande votre avis. Soyons généreux. Découvrons-leur nos petits secrets. Allez, section 3, paragraphe 1er. L'exécution soulage et délivre. Elle est universelle, juste et fortifiante dans ses intentions comme dans ses applications. On meurt car on est coupable. On est coupable car on est sujet de Caligula. Or, tout le monde ici est sujet de Caligula, donc tout le monde est coupable, d'où il en ressort que tout le monde meurt. C'est une question de temps et de patience. Qu'est-ce que vous en pensez? La patience, hein? En voilà une trouvaille. Voulez-vous que je vous dise, c'est ce que j'admire le plus en vous, la patience. Et maintenant, messieurs, vous pouvez disposer. Excepté Lépidus, Lucius, Octavius, Mérea, Saisonia, Julia, Hélico. Je voudrais discuter un peu avec vous de l'organisation de ma maison publique. Elle me donne de gros soucis. Qu'y a-t-il, Caius? Le personnel est-il mauvais? Non. Mais les recettes ne sont pas bonnes. Il faut augmenter les tarifs. Mérea, tu viens de perdre une occasion de te taire. Étant donné ces questions ne t'intéressent pas, je ne t'ai pas demandé ton avis. Alors pourquoi m'as-tu fait rester? Parce que tout à l'heure, j'aurais besoin d'un avis sans passion. Si je puis, Caius, en parler avec passion, je dirais qu'il ne faut pas toucher aux tarifs. Naturellement, voyons. Mais il faut nous rattraper sur le chiffre d'affaires. Mais j'ai déjà expliqué mon plan à Saisonia, qui va vous l'exposer. Moi, j'ai trop bu de vin et je commence à avoir sommeil. Eh bien, c'est fort simple. Caligula crée une nouvelle décoration. Je vois pas le rapport. Il y est pourtant. Cette distinction constituera l'ordre de Vérocivi. Elle récompensera ceux des citoyens qui auront le plus fréquenté la maison publique de Caligula. C'est lumineux. Ah, je le crois. J'oubliais de dire que la récompense est décernée chaque mois après vérification des bons d'entrée. Le citoyen qui, au bout de 12 mois, n'aura obtenu aucune décoration sera exilé ou exécuté. Pourquoi ou exécuté? Parce que Caligula dit que cela n'a pas d'importance, l'essentiel étant qu'il puisse choisir. Bravo! Le trésor public est aujourd'hui renfloué.
Toujours de façon très morale, remarquez-le bien. Hein. Il vaut mieux après tout taxer le vice que rançonner la vertu comme on le fait dans les sociétés républicaines. Allez messieurs, rangeons. Tu es ton père ? Oui. Tu le hais ? Oui. Tu veux le tuer ? Oui. Alors pourquoi me le dis-tu ? Parce que je ne crains personne. Le tuer ou être tué, c'est deux façons d'en finir. D'ailleurs, tu ne me trahiras pas. Tu as raison, je ne te trahirai pas. Mais je veux te dire quelque chose, ou plutôt, je veux parler à ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce que j'ai de meilleur en moi, c'est ma haine. Écoute-moi bien. C'est une parole à la fois difficile et évidente que je veux te dire, mais c'est une parole qui, si elle était vraiment entendue, accomplirait la seule révolution définitive de ce monde. Mais alors dis-la. Pas encore. Pense d'abord à ton père à qui on a arraché la langue. Pense à cette bouche pleine de sang et à ce cri de bête torturée. Oui. Pense maintenant à Caligula. Oui. Écoute maintenant. Essaie de le comprendre. Caligula revient. Si vous alliez manger, poète. Illicon, aide-moi. C'est dangereux, ma colombe. Et je n'entends rien à la poésie. Tu sais beaucoup de choses. Tu pourrais m'aider. Je sais que les jours passent. Je sais aussi qu'il faut se hâter de manger. Je sais aussi que tu pourrais tuer Caligula, qui ne le verrait pas d'un mauvais œil. Ah, c'est toi. Il y a longtemps que je ne t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu écris toujours ? Est-ce que tu peux me montrer tes dernières pièces ? J'ai écrit des poèmes, César. Oui, sur quoi ? Je ne sais pas. Sur la nature, je crois. Un beau sujet, et vaste. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait, la nature ? Oh. Elle me console de n'être pas César. Ah. Et crois-tu qu'elle puisse me consoler de l'être ? Ma foi. Elle guérit des blessures plus graves. Blessures. Dis cela avec méchanceté. Est-ce parce que j'ai tué ton père ? Si tu savais pourtant comme le mot est juste, blessure. Il n'y a que la haine pour rendre les gens intelligents. J'ai répondu à ta question sur la nature. Récite-moi ton poème. Je t'en prie, César. Pourquoi ? Je ne l'ai pas sur moi. Ne t'en souviens-tu pas ? Non. Dis-moi du moins ce qu'il contient. J'y parlais. Eh bien. Non, César, je ne sais plus. Essaie. J'y parlais d'un certain accord de la terre. De la terre et du pied. Oui. Oui, c'est à peu près cela. Merci. Et aussi de la ligne des collines romaines. Et de cet instant fugitif et bouleversant qui ramène le soir.
et du cri des martinets dans le ciel vert. Oui, mais c'est encore cela. Très bien. Et de cette minute subtile, où le ciel encore plein d'or, brusquement bascule et nous montre en un instant son autre face gorgée d'étoiles luisantes. Et cette odeur de fumée, d'arbres et d'eau qui monte alors de la terre vers la nuit. Le cri des cigales, la retombée des chaleurs, les chiens, les roulements des derniers chars, la voix des fermiers. Et les chemins noyés d'ombre entre les lentisques et les oliviers. Oui, oui, c'est tout cela. Mais comment l'as-tu appris? Je ne sais pas. Peut-être parce que nous aimons les mêmes vérités. Qu'importe. Puisque tout prend en moi le visage de l'amour. Du moins, je pouvais connaître ta transparence. Mais je sais trop la force de ma passion pour la vie. Elle ne se satisfera pas de la nature. Mais tu ne peux pas comprendre cela, toi. Tu es d'un autre monde. Tu es pur dans le bien comme je suis pur dans le mal. Je peux comprendre. Non. C'est quelque chose en moi. Ce lac sans fond, ces herbes pourries. Ton poème doit être beau. Mais si tu veux mon avis... Oui. Tout cela manque de sang. Oh, le monstre! L'infecte monstre! Tu as encore joué? Tu viens de jouer, hein? Tu es fier de toi? Il y a du vrai dans ce que tu dis. J'ai joué. Mais quel cœur ignoble et ensanglanté tu dois avoir! Mais comme tant de mal et de haine doivent te torturer! Tais-toi, maintenant. Mais comme je te plains et comme je te hais! Tais-toi! Et quelle immonde solitude doit être la tienne! Solitude? Mais tu la connais, toi, la solitude? Laquelle? Celle des poètes et des impuissants? Mais tu ne sais pas que seul on n'est jamais, et que partout où l'on va, le même poids d'avenir et de passé nous accompagne? Les êtres qu'on a tués sont avec nous, et pour cela, ce sera encore facile. Mais ceux qu'on a aimés, ceux qu'on n'a pas aimés, qui vous ont aimés quand même, les douceurs, les regrets, l'amertume, les putains et la clique des dieux! Un seul? Si, du moins au lieu de cette solitude empoisonnée de présence qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie. Le silence. Et le tremblement d'un arbre. La solitude? Mais non, Scipion, elle est tout entière peuplée de grincements de dents. Et tout entière retentissante de bruit et de clameurs perdues! Auprès des femmes que je caresse, lorsque la nuit se referme sur nous, et que je crois, éloigné de ma chair, enfin contenté, saisir un peu de moi, entre la vie et la mort, la solitude tout entière s'emplit de l'aigre odeur du plaisir aux essais de la femme qui sombre encore à mes côtés. Tous les hommes ont une douceur. C'est vers elles qu'ils se tournent lorsqu'ils se sentent trop usés. C'est ce qui leur permet de continuer. C'est vrai, Scipion. N'y a-t-il rien qui soit semblable en la tienne? Si. Une approche des larmes, un refuge silencieux. Si, pourtant. Et quoi donc? Le mépris. Une fois de plus, les dieux sont descendus sur terre. Caius, César et Dieu, surnommé Caligula, leur a prêté sa forme toute humaine. Approchez, grosse mortelle!
Le miracle sacré s'opère devant vos yeux. Par une faveur bénie au règne de Caligula, les secrets divins sont offerts à tous les yeux. Approchez, approchez, messieurs, et donnez votre obole. Le mystère céleste à la portée de toutes les bourses. L'Olympe, ses intrigues, ses coulisses, ses pantoufles et ses larmes, toute la vérité sur vos dieux. Approchez, approchez, messieurs, et donnez votre obole. La représentation va commencer. Une reconstitution impressionnante de vérité. Une réalisation sans précédent. La puissance des corps divins ramenés sur terre. Le tonnerre, la foudre. Le destin lui-même dans sa marche triomphale. Approchez et contemplez. Aujourd'hui, je suis Vénus. La représentation va commencer. Prosternez-vous et répétez après moi la prière sacrée à Caligula, Vénus, déesse des douleurs et de la danse. Déesse des douleurs et de la danse. Née des vagues toutes visqueuses et amères dans le sel et l'écume. Née des vagues toutes visqueuses et amères dans le sel et l'écume. Instruis-nous de la vérité de ce monde qui est de n'en point avoir. Instruis-nous de la vérité de ce monde qui est de n'en point avoir. Et accorde-nous la force de vivre à hauteur de cette vérité sans égale. Et accorde-nous la force de vivre à la hauteur de cette vérité sans égale. Accordez, mes enfants, vos vœux seront exaucés. Peut-être, mon garçon, adorer c'est bien, mais enrichir c'est mieux. Si les dieux n'avaient pas d'autre fortune que l'amour des mortels, ils seraient aussi pauvres que ce pauvre Caligula. Et maintenant, messieurs, vous allez pouvoir partir, répandre dans la ville l'étonnant miracle auquel il vous a été donné d'assister. Vous avez vu Vénus, ce qui s'appelle voir, avec vos yeux de chair. Et Vénus vous a parlé. Allons, messieurs. Bon, un instant. En sortant, prenez le couloir de gauche. Dans celui de droite, j'ai posté des gardes pour vous faire assassiner. Gauche. Scipion a encore fait l'anarchiste. Tu as blasphémé, Caius. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Tu souilles le ciel après avoir ensanglanté la terre. Ce jeune homme adore les grands mots. Oh, comme tu y vas, mon garçon. Il y a en ce moment dans Rome des gens qui meurent pour des discours beaucoup moins éloquents. J'ai décidé de dire la vérité à Caius. Oh, eh bien, cela manquait à ton règne une belle figure morale. Tu crois donc aux dieux, Scipion? Non. Mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si prompt à dépister le blasphème? Je puis renier une chose, sans me croire obligé de la salir ou de retirer aux autres le droit d'y croire. Oh, mais c'est de la modestie, ça, de la vraie modestie. Ah, Scipion, que je suis content pour toi. Et puis en vieux aussi, car c'est sans doute le seul sentiment que je n'éprouverai peut-être jamais. Ce n'est pas moi que tu jalouses. Ce sont les dieux eux-mêmes. Si tu le veux bien, cela restera comme le grand secret de mon règne. Tout ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui, c'est d'avoir fait encore un petit progrès sur la voie du pouvoir et de la puissance. Pour un homme qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux a quelque chose d'agaçant. J'ai supprimé cela. J'ai montré à ces dieux imbéciles qu'un homme, s'il en a la volonté, peut exercer sans apprentissage leur métier ridicule. Et c'est cela le blasphème, Caius. Pas du tout, Scipion, c'est de la clairvoyance. J'ai compris qu'il n'y a qu'une façon de s'égaler aux dieux. Il suffit d'être aussi cruel que... Il suffit de se faire tyran. Oh, qu'est-ce qu'un tyran? Une âme aveugle. Bon, ça n'est pas sûr. Mais un tyran est un homme qui sacrifie des peuples à son idée ou à son ambition. Moi, je n'ai pas d'idée. Et je n'ai plus rien à briguer en fait d'honneur et de pouvoir. Si j'exerce ce pouvoir, c'est par compensation. À quoi? À la bêtise et à la haine des dieux. La haine ne compense pas la haine. Et le pouvoir n'est pas une solution. Et je ne connais qu'une seule façon de balancer l'hostilité du monde. Oh, quelle est-elle? La pauvreté. Oh,
faudra que j'essaie aussi de celle-là. En attendant, beaucoup de meurent autour de toi, Janus. Oh, si peu, si peu, vraiment si peu. Sais-tu combien de guerres j'ai refusées? Non. 3. Et sais-tu pourquoi je les ai refusées? Parce que tu fais fi de la grandeur de Rome. Non, c'est parce que je respecte la vie humaine. Tu te moques de moi, Caius! Ou du moins, je la respecte plus que je ne respecte un idéal de conquête. Et il est vrai que je ne la respecte pas plus que je ne respecte ma propre vie. Et s'il m'est facile de tuer, c'est qu'il ne m'est pas difficile de mourir. Non, vraiment, plus j'y réfléchis, plus je me persuade que je ne suis pas un tyran. Peut-être. En effet, Caius. Mais si tout cela est vrai, alors je crois que tu as fait les nécessaires pour qu'un jour, autour de toi, des légions de dieux humains se lèvent, implacables à leur tour, et noient dans le sang ta divinité d'un moment. Scipion ! Baisse, Césonia. Je ne crois pas si bien dire, Scipion. J'ai fait le nécessaire. J'imagine difficilement le jour dont tu parles. Et j'en rêve quelquefois. Et sur tous les visages qui s'avancent alors vers moi du fond de la nuit amère, dont leurs traits tordus par la haine et l'angoisse, je crois reconnaître, il est vrai, avec ravissement, le seul dieu que j'ai adoré en ce monde. Misérable et lâche comme le cœur humain. Va-t'en, Scipion, tu en as beaucoup trop dit. J'ai encore les doigts de mes pieds à rougir sous la presse. Naturellement. Ça progresse, c'est une question de patience, mais avant tout, j'aimerais te parler. J'aurais peut-être la patience, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut faire vite, Hélicon. Je te l'ai dit, je ferai pour le mieux. Auparavant, j'ai quelque chose d'important à te dire. Remarque que je l'ai déjà eu. Qui ? Mais la lune. Oui, mais sais-tu que l'on complote contre ta vie ? Je l'ai eu tout à fait, même. 2 ou 3 fois seulement, il est vrai, mais tout de même, je l'ai eu. Il y a bien longtemps que j'essaie de te parler, Caius. C'était l'année dernière. Depuis le temps que je la regardais et que je la caressais sur les colonnes du jardin, elle avait fini par comprendre. Cessons ce jeu, Caius. Si tu ne veux pas m'écouter, mon rôle est de te parler quand même. Tant pis si tu ne m'entends pas. Ce dernier ne vaut rien, hein. Mais pour en revenir à la lune, c'était pendant une belle nuit d'août. Elle a fait quelque façon. J'étais déjà couché. Elle était d'abord toute sanglante au-dessus de l'horizon. Puis, elle a commencé à monter, de plus en plus légère, avec une rapidité croissante. Et plus elle montait, plus elle devenait claire. Elle est devenue comme un lac d'eau laiteuse au milieu de cette nuit peuplée de froissements d'étoiles. Elle est arrivée dans la chaleur, douce, légère et nue. Elle a franchi le seuil de la chambre et avec sa lenteur sûre, est arrivée jusqu'à mon lit. S'y est glissée. Elle m'a inondé de ses sourires et de son éclat. Ah, décidément, Véronique vaut rien. Mais tu vois, Hélicon, j'ai pu dire sans me vanter, je l'ai eu. Veux-tu bien m'écouter, connaître ce qui te menace? Je veux seulement la lune, Hélicon. Je sais d'avance ce qui me tuera. Je n'ai pas encore épuisé tout ce qui peut me faire vivre. Mais c'est pourquoi je veux la lune. Tu ne reparaîtras pas ici, avant de me l'avoir procurée. Alors je ferai mon devoir, et je dirai ce que j'ai à te dire. Un complot s'est formé contre toi. Chérian est le chef. J'ai surpris ce message. Tu pourras sûrement t'apprendre l'essentiel. Je te le dépose ici. Où vas-tu, Hélicon ? Te chercher la lune.
permets, Caius. Bonjour, ma jolie. Alors, on vient revoir Vénus. Non, ce n'est pas cela. Pardon, je veux dire, tu sais que je t'aime beaucoup. Et puis, je ne demande qu'à finir mes vieux jours dans la tranquillité. Oui, pressons, pressons. Oui, bon, enfin, c'est très grave, voilà tout. Mais non, ce n'est pas grave du tout. Mais quoi donc, Caius? Mais de quoi parlons-nous, mon amour? Un complot contre toi! Ah, mais tu vois bien, c'est bien ce que je te disais. Ce n'est pas grave du tout. Caius, par tous les dieux! Sais-tu pourquoi je ne puis te croire? C'est-à-dire que mon amour pour toi, Caius... Si ce que tu dis était vrai, il me faudrait alors supposer que tu trahis tes amis, n'est-ce pas? Et je ne puis supposer cela. J'ai tant détesté la lâcheté, ça ne va pas m'empêcher de faire mourir un traître. Je sais bien ce que tu veux, toi. Et assurément, tu ne voudras ni trahir ni mourir, n'est-ce pas? Assurément, Caius, assurément. Tu vois bien que j'avais raison de ne pas te croire. Dis-moi, c'était une plaisanterie, n'est-ce pas? Une plaisanterie, une simple plaisanterie. Personne ne veut me tuer, cela est évident. Personne, bien entendu. Maintenant, disparaît, ma jolie. Un homme d'honneur est un animal si rare en ce monde que je ne pourrais pas en supporter la vue trop longtemps. Il faut que je reste seul pour savourer ce grand moment. Tu avais décidé d'être logique, idiot, hein? Il s'agit seulement de savoir jusqu'où cela ira. Et si on t'apportait la lune, tout serait changé. Ce qui est impossible deviendrait possible. Et alors, du même coup, en une seule fois, tout serait transfiguré. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, Caligula? Qui peut le dire? Il y a de moins en moins de monde autour de moi. C'est curieux. Trop de mort, oui. Trop de mort. Cela dégarnit. Bon, même si l'on m'apportait la lune, je ne pourrais pas revenir en arrière. Même si les morts frémissaient à nouveau sous les caresses du soleil, les meurtres ne rentreraient pas sous terre pour autant. La logique, Caligula. Il faut poursuivre la logique. Le pouvoir jusqu'au bout. L'abandon jusqu'au bout. Non, on ne revient pas en arrière. Et il faut aller jusqu'à la consommation! Oui, chérie. Tu as quelque chose à me dire? Non, chérie. Es-tu vraiment sûr que ma présence est nécessaire? Certainement sûr, chérie. Mais, pardonne-moi, je suis distrait. Il te reçoit bien mal. Prends un siège et devisons en ami. J'ai besoin de parler un peu à quelqu'un d'intelligent. Chérie, crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales, peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un en face de l'autre, dépouillés des préjugés, des intérêts personnels, des mensonges dont ils vivent.
Je crois que c'est possible. Je t'en crois incapable. Tu as raison. Je voulais seulement savoir si tu pensais comme moi. Couvrons-nous donc de masques, utilisons le mensonge, parlons comme on se bat. Couvert jusqu'à la garde. Jiraiya, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Parce qu'il n'y a rien d'aimable en toi, Caius. Parce que ces choses ne se commandent pas. Et parce qu'on ne peut aimer celui des visages qu'on essaie le plus de dissimuler en soi. Mais pourquoi nous haïr? Et si tu te trompes? Je ne te hais pas. Je te juge nuisible et cruel, égoïste et vaniteux. Mais je ne puis pas te haïr puisque je ne te crois pas heureux. Et je ne puis te mépriser puisque je ne te sais pas lâche. Alors, pourquoi veux-tu me tuer? Je te l'ai dit. Je te juge nuisible. La plupart de tes sujets sont comme moi. Ils sont incapables de vivre dans un monde où la pensée la plus bizarre peut en un instant rentrer dans la réalité. Où elle y rentre le plus souvent comme un couteau dans un cœur. Je suis comme tout le monde. Je préfère me tenir bien en main. La sécurité et la logique ne vont pas ensemble. C'est vrai. Cela n'est pas logique, mais cela est plus sain. Tout cela est très clair et très légitime. Pour la plupart des gens, ce serait même évident. Mais pas pour toi, cependant. Tu es intelligent. L'intelligence se paye cher ou bien se nie. Moi, je paye. Et toi, pourquoi ne pas la nier et ne pas vouloir payer? Parce que j'ai envie de vivre et d'être heureux. La plupart de tes sujets sont comme moi, je te l'ai dit. Et je suis comme tout le monde. Il m'arrive de désirer des femmes que les lois de l'amitié ou de la famille m'interdisent de désirer. Pour les avoir, je devrais alors tuer et posséder. Mais si tout le monde se mêlait de les réaliser, nous ne pourrions ni vivre, ni être heureux. Encore une fois, c'est cela qui m'importe. Il faut donc que tu croies à quelque idée supérieure. Je pense qu'il y a des actions plus belles que d'autres. Ouais, moi, je crois qu'elles sont toutes équivalentes. Je sais. C'est pourquoi je ne te hais pas. Et tu es nuisible. Il est naturel que tu disparaisses. Tu as raison. Mais pourquoi me l'avouer et risquer ta vie? Parce que d'autres me remplaceraient. Et parce que je n'aime pas mentir. Jiraiya. Oui, Caius. Crois-tu que deux hommes, dont l'âme et la fierté sont égales, peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur? Je crois que c'est ce que nous venons de faire. Oui, Jiraiya. Tu m'en croyais incapable, cependant. J'avais tort. Je m'excuse. Je te remercie. J'attends maintenant ta sentence. La sentence? Oui, tu veux dire... Connais-tu ceci, Jiraiya? Je savais que c'était pour ta possession. Oui. Et ta sincérité elle-même était simulée. Les deux hommes ne se sont pas parlé de tout leur cœur. Mais cela ne fait rien. Maintenant, nous allons cesser le jeu de la sincérité et recommencer à vivre comme par le passé. Il faut encore que tu essaies de comprendre ce que je vais te dire. Que tu subisses mes offenses, mon humeur. Ceci est la preuve, n'est-ce pas? Écoute, je ne comprends pas et je n'ai pas le goût pour ces complications. C'est vrai, tu es un homme simple. Tu ne désires rien d'extraordinaire. Tu veux vivre et être heureux. Seulement cela. Ceci est la seule preuve, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr que tu aies besoin de preuves pour faire mourir qui que ce soit. Il est vrai. Mais pour une fois, je veux me contredire. Cela ne gêne personne. C'est si bon de se contredire de temps en temps. Cela repose. J'ai besoin de repos, chérie. Je crois qu'il vaut mieux que nous en restions là. Ah, attends encore. J'ai là ces preuves. Je veux décider que je ne peux vous faire mourir sans elle. Eh bien, regarde ce que deviennent les preuves dans les mains d'un empereur. Tu vois, conspirateur, elle brûle. Et à mesure qu'elle disparaît, c'est un matin d'innocence qui se lève sur ton visage. Ah, l'admirable frompure que tu as, chérie, que c'est beau, un innocent, que c'est beau. Oh, admire ma puissance.
Les dieux eux-mêmes ne peuvent rendre l'innocent sans auparavant punir. Et ton empereur n'a besoin que d'une flamme pour t'absoudre et t'encourager. Mais continue, chéria. Poursuis le magnifique raisonnement que tu m'as tenu jusqu'ici. Ton empereur attend son repos. C'est sa manière à lui de vivre et d'être heureux. Écoute, Scipion, nous devons être fermes sur ce que nous allons faire. Guy te dit que je ne suis pas ferme. Tu n'es pas venu à notre réunion d'hier ? C'est vrai, chérie. Écoute, Scipion, je suis plus âgé que toi. Je n'ai pas l'habitude de demander du secours. Mais ce meurtre demande des répondants qui soient respectables. Au milieu de toutes ces vanités blessées et de ces ignobles peurs, il n'y a que toi et moi dont les raisons soient pures. Si tu nous abandonnes, je sais que tu ne nous trahiras pas. Mais peu importe, ce que je désire, c'est que tu sois avec nous. Je te comprends. Mais je te jure que je ne le puis pas. Tu es donc avec lui ? Non. Mais je ne puis être contre lui. Si je le tuais, du moins mon cœur serait avec lui. Il a pourtant tué ton père ! Oui. C'est là que tout commence. Mais c'est là aussi que tout finit. Il nie ce que tu avoues ! Il bafoue ce que tu vénères ! C'est vrai, chéria. Mais quelque chose en moi lui ressemble pourtant. La même flamme nous brûle le cœur. Il est des heures où il faut choisir. Moi, j'ai fait taire en moi ce qui pouvait lui ressembler. Je ne peux pas choisir. Puisqu'en plus de ce que je souffre aussi de ce qu'il souffre. Mon malheur est de tout comprendre. Alors tu choisis de lui donner raison. Je t'en prie, chéria. Personne, plus personne pour moi n'aura jamais raison. Tu sais que je le hais encore plus pour ce qu'il a fait de toi. Oui. Il m'a appris à tout exiger. Non, Scipion. Il t'a désespéré. Et désespérer une jeune âme est un crime qui passe tous ceux qu'il a commis jusqu'ici. Je te jure que cela suffirait pour que je le tue avec emportement. Tiens, chéria, je te cherchais. Caligula organise ici une petite réunion amicale. Tu l'attendras ici. Mais on n'a pas besoin de toi, mon pigeon. Tu peux partir. Chéria. Oui, Scipion. Essaie de comprendre. Non. Que nous veut-on à cette heure de la nuit ? S'il s'agit de nous faire mourir comme les autres, il n'y a pas besoin de tant d'histoires ! Asseyons-nous ! Il fallait agir vite, je le savais. Maintenant, c'est la torture qui nous attend. Que se passe-t-il ? La conjuration est découverte ! Et ensuite ? C'est la torture ! Je me souviens qu'une fois, Caligula a donné 80 000 sesterces à un esclave que la torture ne faisait pas avouer. Le voilà bien avancé. Non. Mais cela prouve qu'il aime le courage. Pourrais-tu cesser de claquer des dents ainsi ? C'est vraiment une horreur. C'est que... Mais assez d'histoire ! C'est notre vie que nous jouons ! Connaissez-vous le mot favori de Caligula ? Oui, il le dit au bourreau. Tue-le lentement pour qu'il se sente mourir. Non, non, non. Après une exécution, il bâille et dit avec sérieux, ce que j'admire le plus, c'est mon insensibilité. Vous entendez ? Ce mot-là révèle un faible. Cela ne te ferait rien de ne pas faire de philosophie, je l'ai en horreur !
L'insécurité. Voilà ce qui les fait réfléchir. Ce qui force à penser. Ce qui force tout le monde à penser. C'est sans doute pourquoi tant de haine le poursuivent. Écoute! Ah. Il y a peut-être raison. Il fallait faire vite. Nous avons trop attendu. C'est une leçon qui vient un peu tard. C'est insensé, je ne veux pas mourir! Caligula m'a chargé de vous dire qu'il vous faisait appeler juste ici pour les affaires de l'État, mais qu'aujourd'hui, il vous avait invité à communier avec lui dans une émotion artistique. Il a d'ailleurs ajouté que ceux qui n'auraient pas communié auraient la tête tranchée. Je me suis assistée, mais je me dois de vous demander si cette danse était belle. Elle était belle, Cézonia. Oh oui, Cézonia. Ah bah c'était du grand art. Parfait, mais je vais donc pouvoir en informer Caligula. Moi chérie, était-ce vraiment du grand art? En un sens, oui. Mon chérie, tu es fort. Faux comme un honnête homme, mais fort, vraiment. Moi vois-tu, je ne suis pas fort. Et pourtant je ne te laisserai pas toucher à Caius, même si c'est la même ce que lui désire. Je n'entends rien à ce discours, Hélicon. Mais j'apprécie ton dévouement. J'aime les bons domestiques. Te voilà bien fier. Oui, je sers un fou. Mais toi, qui sers-tu? La vertu? Je vais te dire ce que j'en pense. Je suis né esclave. Alors l'air de la vertu, je l'ai d'abord dansé sous le fouet. Caius, lui, ne m'a pas fait de discours. Il m'a affranchi et pris dans son palais. Et c'est ainsi que j'ai pu vous voir, vous, les vertueux. Et j'ai vu que vous aviez, pauvre mine, et sale odeur. Odeur fade de ceux qui n'ont jamais rien souffert ni risqué. J'ai vu les drapés nobles, mais l'usure au cœur. La main fuyante, le visage avare. Vous des juges, vous qui tenez boutique de vertu, et qui rêvez de sécurité comme la jeune fille rêve d'amour, vous mêleriez de juger celui qui a souffert sans compter, et qui saigne encore chaque jour de 1000 nouvelles blessures. Me frapperai avant, sois-en sûr. Méprise l'esclave, chéria, puisqu'il est au-dessus de ta vertu. Il peut encore aimer ce maître misérable qu'il défendra contre vos nobles mensonges et vos bouches parjures. Ah, Hélicon. Tu te laisses aller à l'éloquence? Franchement, tu avais meilleur goût autrefois. Désolé. Vraiment désolé. Voilà ce que c'est que de trop vous fréquenter. Les vieux époux ont le même nombre de poils aux oreilles quand ils finissent par se ressembler. Mais je me reprends. Ne crains rien, je me reprends. Simplement ceci. Tu vois ce visage? Regarde-le bien. Bon. Maintenant, tu as vu ton ennemi. Restez là, tous les deux. Ce soir, nous serons une centaine. Restez là, mais je voudrais bien partir, moi. Ça sent le mort, ici. Ou le mensonge. J'ai dit que cette danse était belle. Elle l'était dans un sens, elle l'était. Qu'y a-t-il, le savez-vous? L'empereur nous fait appeler. C'est peut-être pour la danse. Quelle danse? Ah oui, enfin, l'émotion artistique. J'ai appris que Caligula était très malade. Il l'est. Par tous les dieux, va-t-il mourir? Non, je ne pense pas. Sa maladie n'est mortelle que pour les autres. Nous osons dire. Je te comprends, mais n'y a-t-il pas quelques maladies moins graves et plus avantageuses pour nous? Non,
Cette maladie-là ne souffre pas de la concurrence. Mais vous permettez, je dois voir Sharia. Caligula souffre de l'estomac, il a vomi du sang. Ô Dieu tout-puissant, je fais vœu s'il se rétablit de verser 200 000 sesterces au trésor de l'État. Jupiter, prends ma vie en échange de la sienne. J'accepte ton offrande. Je te remercie. Mon trésorier se présentera demain chez toi. Oh, tu ne peux savoir comme je suis aimé. Tu m'aimes donc ? César, tu sais qu'il n'est rien que pour toi, je ne donnerai sur l'heure. J'en suis indigne. Je n'ai pas mérité tant d'amour. Mais bon, va, ami. Et souviens-toi que Caligula t'a donné son cœur. Veux-tu que j'aille ? Eh bien, à la mort, voyons. Tu as donné ta vie pour la mienne. Moi, je vais mieux. Je n'ai même plus cet affreux goût de sang dans la bouche. Tu m'as guéri. Es-tu heureux, Octavius, de pouvoir donner ta vie pour un autre quand cet autre s'appelle Caligula ? Ah, je suis de nouveau prêt pour toutes les fêtes. Mais je ne veux pas, mais c'est une plaisanterie. Bientôt, les routes sur la mer seront couvertes de mimosa. Les femmes auront des robes d'étoffe légère, de grands vents frais et battants, les sourires de la vie. La vie, mon ami, si tu l'avais suffisamment aimée, tu ne l'aurais pas joué avec ton imprudence. Et quand on a perdu, il faut toujours payer. Bien, César. Oh, à propos, il m'est venu une belle pensée que je veux partager avec vous. Mon règne jusqu'ici a été trop heureux. Ni peste universelle, ni religion cruelle, pas même un coup d'État. Rien qui puisse vous faire passer à la postérité, en somme. C'est un peu pour ça que j'essaie de compenser la prudence du destin. Je veux dire, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est moi qui remplace la peste. Mais taisez-vous, voici Sharia. Césonia, c'est à toi. Caligula est mort. Tu es sûre de ce malheur? Mais ce n'est pas possible. Il a dansé tout à l'heure. Justement, cet effort-là achève. Tu ne dis rien, Sharia. C'est un grand malheur, Césonia. Bien joué, Sharia. Bien joué. Bon, eh bien, c'est raté. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Serait-il malade, Césonia ? Non, ma jolie, mais ce que tu ignores, c'est que cet homme dort 2 heures toutes les nuits et que le reste du temps est incapable de se reposer. Il erre dans les galeries de son palais. Ce que tu ignores, ce que tu ne t'es sans doute jamais demandé, c'est à quoi pense cet être, dans les heures sombres qui vont du milieu de la nuit, au lever du soleil. Malade ? Non, il ne l'est pas, à moins que vous n'inventiez un nom pour et des médicaments pour les ulcères dont son âme est couverte. Tu as raison, Césonian. Nous n'ignorons pas que... Non, vous n'ignorez pas. Mais comme tous ceux qui n'ont point d'âme, vous ne pouvez supporter ceux qui en ont trop. Trop d'âme. Voilà qui est gênant, n'est-ce pas ? Alors, on appelle cela maladie. Les cuistres sont justifiés et contents. Est-ce que tu as jamais su aimer, Sharia ? Non. Mais nous sommes maintenant trop vieux pour apprendre à le faire. D'ailleurs, il n'est pas sûr que Caligula nous en laisse le temps. Il est vrai. Mais j'oubliais les recommandations de Caligula. Aujourd'hui, vous le savez, est un jour consacré à l'art. D'après le calendrier ? Non, d'après Caligula. Il a organisé une petite composition improvisée de poésie et il souhaite que vous y participiez. Il a en particulier désigné le jeune Scipion et Octavius. Mais nous ne sommes pas prêts. Naturellement, il y aura des récompenses. Il y aura aussi des punitions. Et je puis vous dire en confidence qu'elles ne sont pas très graves.
T'es prêt? Tout. Et les autres? Scipion. Octavius. Bien. Sujet. La mort. Télé une minute. Qui sera le jury? Moi, cela n'est pas suffisant. Oh oui, tout à fait suffisant. Est-ce que tu participes au concours, Caius? Oh, c'est inutile. Il y a déjà longtemps que j'ai fait ma composition sur ce sujet. Où peut-on se la procurer? À ma façon, je la récite chaque jour. La figure te déplaît? Je te demande pardon. Oh, pas d'humilité, surtout pas d'humilité. Oh, tu es déjà difficile à supporter, mais ton humilité. Bon, je reprends. C'est l'unique composition que j'ai faite. Mais aussi, elle donne la preuve que je suis le seul artiste que Rome ait connu, le seul, tu entends, Shreya, qui met en accord sa pensée et ses actes. C'est seulement une question de moyens, ça. C'est vrai. Les autres créent par défaut de pouvoir. Moi, je n'ai pas besoin d'une œuvre, je vis. Alors, vous autres, vous y êtes? Nous y sommes, je crois. Oui. Alors, je vous explique. Écoutez-moi bien. Vous allez sortir du rang. Je sifflerai. Le premier commencera sa lecture. À mon coup de sifflet, il doit s'arrêter, le second commencer. Et ainsi de suite. Naturellement, le vainqueur sera celui dont la composition n'aura pas été interrompue par le coup de sifflet. Faut d'organisation, tout, mais mon art. Bon, vous y êtes? Mort! Quand par-delà les rives noires, tu succombes à tes... Des trois parcs en leur entre. Je t'appelle! Lorsque j'étais petit enfant... Oh non. Quel rapport l'enfance d'un imbécile peut-elle avoir avec le sujet? Veux-tu me dire où est le rapport? Mais Caïf, je n'ai pas fini! Inexorable, elle chemine le long... Obscure et diffuse raison... Tu n'as rien écrit. Je n'en ai pas besoin. Voyons. Chasse au bonheur qui fait les êtres purs, ciel où le soleil ruisselle. Fêtes uniques et sauvages, mais délire sans espoir ne peuvent. Tu es bien jeune pour connaître les vraies leçons de la mort. J'étais bien jeune pour perdre mon père. Allons, vous autres, formez vos rangs. Un faux poète est une punition trop dure pour mon goût. Je méditais jusqu'ici de vous garder comme alliés. Et j'imaginais parfois que vous formeriez le dernier carré de mes défenseurs. Mais cela est vain. Et je vais vous rejeter parmi mes ennemis. Les poètes sont contre moi. Je puis dire que c'est la fin. Allons, organisez-vous. Vous allez défiler devant moi en léchant vos écrits pour effacer les traces de vos infamies. Allez, sortez tous! Le moment est venu. Peux-tu me laisser en paix comme le fait maintenant ton père? Allons, Caius. Tout ceci est inutile. Car je sais déjà que tu as choisi. Laisse-moi. Je vais te laisser, en effet. Mais car je crois que je t'ai compris. Ni pour toi, ni pour moi qui te ressemble tant, il n'y a plus d'issue. Je vais partir. Très loin, j'ai les raisons de tout ça. Adieu, cher Caius. Lorsque tout cela sera terminé, n'oublie pas que je t'ai aimé. Ah.
dis? Cela dépasse ton entendement. Quoi penses-tu? À celui-ci. Et puis à toi aussi. Et c'est la même chose. Qu'y a-t-il? Scipion est parti. J'en ai fini avec l'amitié. Mais toi, je me demande pourquoi tu es encore là. Parce que je te plais? Non. Si je te faisais dessus, je crois que je comprendrais. Ce serait une solution, fais-le donc. Mais ne pourrais-tu pas, pour au moins une fois, te laisser aller à vivre librement? Cela fait déjà, je crois, quelques années que je m'exerce à vivre librement. Oh non, comprends-moi bien, ce n'est pas ainsi que je l'entends. Ce serait peut-être si bon de vivre et d'aimer dans la pureté de son cœur. Chacun gagne sa pureté comme il peut. Moi, c'est en poursuivant l'essentiel. Tout cela n'empêche pas d'ailleurs que je pourrais te faire tuer. Ce serait le couronnement de ma carrière. C'est drôle. Quand je ne tue pas, je me sens seul. Les vivants ne suffisent pas à peupler l'univers et à chasser l'ennui. Quand vous êtes tous là, vous me faites sentir un vide sans mesure où je ne peux regarder. Je ne suis bien que parmi mes morts. Eux sont vrais. Ils sont comme moi. Ils m'attendent et me pressent. J'ai de longs dialogues avec tel ou tel à qui je fis couper la langue alors qu'ils criaient grâce.